Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo recette, nous voulons vous faire voir comment faire pour préparer de savoureuses pommes de terre gratinées et aromatisées au paprika. Je vous souhaite donc un bon visionnage! Voici les ingrédients pour 4 personnes. 700 g de pommes de terre, 100 g de chapelure, 1 cuillère à soupe de paprika, 30 g de parmesan, du persil, un demi-oignon, de l'huile d'olive, du poivre et du sel. Alors, commençons la préparation. Donc, une fois avoir fini de peler les pommes de terre, allons les couper en rondelles d'une épaisseur de environ 4 mm. Ensuite, assaisonner avec de l'huile, du sel et mélangez bien le tout. Alors donc après, on va couper l'oignon le plus finement possible et on le met dans une poêle. À feu moyen, on ajoute un filet d'huile, la chapelure, la paprika, du persil, le parmesan, une généreuse pincée de poivre, on remue et on fait griller le tout pendant 2-3 minutes. Une fois terminé ceci, unissez votre mélange aux pommes de terre et mélangez bien le tout. Ensuite, on prend un plat à gratin, on verse un filet d'huile d'olive à l'intérieur et on ajoute l'ensemble de nos pommes de terre. Maintenant, enfournez le tout à 180 degrés pendant 45 minutes. Et voilà, les pommes de terre gratinées et aromatisées au paprika sont prêtes pour être servies comme accompagnement à nos plats de viande ou de poisson. Comme vous avez pu le constater, cette recette, en plus d'être savoureuse, elle est aussi très facile à préparer. Donc j'espère que cette nouvelle recette salée vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis. À très très bientôt pour de prochaines vidéos recettes. Ciao ciao !